Allons en face pour commencer. Déjà, ça va être plus simple. Ok. C'est good. Comment expliques-tu le manque de popularité de Majora's comparé à Ocarina of Time? L'ambiance plus sombre, le fait qu'il sorte juste après et le fait qu'il fallait un truc spécial sur ta console pour le faire tourner. Tout ça, ça n'a pas aidé. Je vais crever. Ok. Alors, recommençons sans crever si possible. Sinon, tant pis. Ça me donnera l'occasion de reprendre depuis le début. Et de fouiller bien toutes les salles. Incroyable ça, putain. Y'a pas des cœurs, genre? Non, parce que j'en ai marre du bruit. Yes, j'adore. Bon, c'est pas grave. Recommençons. Ce jeu a un poil de cul à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ce jeu a rien à chaque fois, c'est terrible. Hop. Mais c'est terrible! Pourquoi? Pourtant je vais tout droit et mon perso dévie. C'est terrible! Oh. Supportable. Arrête de dévier. Je vais même pas lui avoir assez. Je vais même plus avoir assez de flèches, tu vas voir. Alors. Genre laisse-moi aller tout droit. Tout droit. Il veut pas. Ah non, il veut pas. J'avais même pas relâché le bouton. Bon bref, allez, va te faire foutre. Je pense qu'on va se suicider. Quel enfer, putain. Quel enfer! Ah! Merci. Quand même. Donnez-moi des flèches. Ok. Peu importe. Donc. Tout ça pour une fée de mort. Tout ça pour une fée de mort. Oh putain, les bâtards. Ok, allez. Cette fois c'est la bonne. On y croit. Cette fois c'est la bonne, hein.
T'arrêtes de dévier, c'est tout con en plus. Voilà. Enfin. Enfin. Bon. Alors. Ici c'est fait. Maintenant. Voilà. Ça va aller mieux maintenant qu'on a tout. Attends, faut qu'on repasse un peu partout parce que... par ça. Une fée, j'imagine. Voilà. Ok. Hop. On va tout éclairer ensuite, mais... ça. Ok, on va passer en gond. Faut commencer à switcher là. Tu penses quoi de l'expérience de Stranding? Fuck. Comment j'allais au milieu? Je crois que j'ai raté le milieu. Je pense quoi de l'expérience de Stranding? C'était à tenter. Non, je sais pas, ouais. Ça ne m'a pas transcendé, on va dire. Voilà. Ça va faire un test post-serge, je suis positif. Ah! Et oui, le Covid existe encore, hein, malgré le fait que le plus personne n'en parle. On a l'impression que le Covid a été éteint, que ça a été remplacé par la guerre en Ukraine, et oui. Surprise, le Covid est toujours là. Et force, hein. Je troll, bien sûr, ça m'énerve. On est en train de tout lever, là, j'ai l'impression que plus personne n'en parle en mode t'inquiète, y'a plus rien. Moi, simplement, ce week-end, on devait avoir des potes à la maison, il y en a deux qui ont pas pu venir parce qu'ils l'avaient, tu vois. Donc j'étais en mode bon, bah ouais, mais sinon, apparemment, ça n'existe plus. Plus personne n'en parle, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les gens font comme s'il y avait plus rien, plus personne fait gaffe, j'ai l'impression, je suis en mode bon. Voilà quoi. La guerre en Ukraine peut-elle repousser la sortie du jeu vidéo? Non. Non, je pense pas. Après, ce n'est que mon avis, mais pour moi, non. Pour moi, non, du tout. Attends, on va venir là, parce que là, il y a des trucs à récupérer. Dans tout... Ah non, ici, non, il y a pas rien. Qui va en écarlate ou violet? Ça dépendra des... Des légendaires. Et des Pokémon exclusifs, tout ça, comme d'hab. Hein. Globalement. Ici, il n'y a pas des choses à voir. Il y a ça. Mais ça, c'était juste pour un... Ouais. Ici, il n'y en a plus. Ok. Là, il faut monter au deuxième étage maintenant. Et on sera good. Pokémon écarlate pour ça pour le nom pour l'instant. Ouais. Bah même ça, je sais pas. En vrai, je sais pas. Ah putain, mais c'est vrai que je peux plus passer par là. Pif paf pif paf ouf. Alors.
à passer par là. Hop. Les gens parlent de noms décevants, mais on a quand même eu blanc et noir. Encore une fois, je vais pas être d'accord, Kiro. Blanc et noir, c'est très bien. Écarlate et violet, c'est une couleur associée à une nuance de couleur, donc c'est... Ça va pas ensemble, quoi. C'est comme si on avait fait Pokémon bleu et perle. Tu vois, genre, j'aurais été en mode bois. Donc, en anglais, je veux bien, mais sinon, je sais pas. Not very convaincu par ici. Ces deux extrémités du spectre lumineux. Oui, Clyde TV, on est au courant. On est au courant, on en a parlé dans ma vidéo. Donc je sais bien, je l'ai dit. Ça n'empêche pas que les noms sont très cons. Allez trouver autre chose. C'est, les deux noms ne vont quand même pas ensemble pour des noms de jeu. Ça ne change rien. Mais on est au courant que ça vient des spectres lumineux, bien sûr. On en parle dans la vidéo info, justement, où j'explique d'où vient les noms. Mais malgré ça, je trouve que ça sonne très mal comme nom de jeu. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais jeux, loin de là. Hein. Ultraviolet, infrarouge, c'est mieux déjà. Oui, Pokémon ultraviolet, Pokémon infrarouge, j'aurais déjà plus compris. J'aurais déjà. Là, je vous aurais dit oui, normal, ok. Totalement. Totalement, je suis d'accord. Ça dégage. Du coup, on va aller là. Alors, j'ai pris ton. Ils n'ont rien à voir, hein. Ils n'ont aucun sens. Non, pas ils n'ont aucun sens, mais en mode. Je trouve que vraiment, ça sonne bizarre, quoi. Je trouve vraiment que ça sonne bizarre. On va voir ça après. On va aller voir là déjà. Là, du coup, ça va me faire atterrir. Voilà, ici, exactement. Hop. Ok, c'est perdu, c'est votre 9e. En vrai, on a quasi fini le temple. Là, maintenant, on perfecte un peu les salles. Mais là, l'idée, après, il faut monter et arriver au boss. Hein. Globalement. Non! Juste. Comme ça, elle est là-bas. En l'or, il y a Necrozma. Mais non, mais ce sera des nouveaux légendaires. Mais lâche. Ce sera des nouveaux légendaires, en tous les cas. Une grappe de raisin et une grosse orange, là. Enfin. Il a respawn! Hop là. Hop là. Alors. Je suppose. Non ? À quoi sert cet endroit ? Bon alors, hop. Il doit y avoir, selon les rumeurs, un State of Play le 10 mars. Sony leur a repoussé en raison de la guerre pour, je cite, ne pas détourner l'attention de l'horrible situation actuelle. Ouais. Bah, si tu vas comme ça, on vit plus, alors on annule tout. Hein. C'est horrible, hein, mais...
suis pas certain que dans un mois la situation sera réglée, tu vois. Donc je sais pas si vraiment. Je sais pas. On verra. Un state of play, ça serait bien, ça fait un moment, ouais. Par contre, le Pokémon qui a un nom connoté en Espagne, on pourra pas échanger sans le renommer. Ah, j'ai pas suivi. Chochodil, on pourra pas. On sera obligé de le renommer, sinon on pourra pas l'échanger à un espagnol. Vraiment. Attendez, j'ai pas activé l'interrupteur. Si, je l'ai activé. Ça fait 4 fois là, 5 fois, 6 fois. Faut que je le touche combien de fois? 7 fois. Wouah, combien de fois j'ai dû taper là? Oh frérot. C'était long. Pokémon 9G, coiffe-t-on, plagiat, quanton? Non. 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 Pourquoi? Pourquoi plagiat, quanton? Non. Ouais, non, ouais, c'est bien, ah putain, voilà pourquoi. C'est bien Chochodil, hein, ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est bien Chochodil. Ah. Hop. Alors. Raté, j'imagine. Tu penses que la 9G de Pokémon peut construire un possible report de... Les gars, vous ne regardez pas mes vidéos, c'est terrible, je vous ai dit que non. Hier, je vous ai fait une vidéo pour vous dire... Non, avant-hier, j'ai fait une vidéo pour dire que Breath of the Wild est arrivé en 2022. Voilà, moi maintenant j'y crois, j'ai eu des infos qui vont dans ce sens, donc non, ça confirme pas du tout un report, non. Pas du tout, par contre ça confirme une fin d'année dantesque. C'est des canards et ils se ressemblent beaucoup, je trouve. Oui, mais bon... Non, enfin, je sais pas. Des Pokémon qui se ressemblent, il y en a beaucoup, hein. Je sais pas. Moi non, vraiment, ça me... Vous cherchez vraiment des polémiques où il n'y en a pas, quoi. Je trouve. Je trouve vraiment... Non. Hop, allez, la dernière feuille ici. Enfin, de la salle. On va pouvoir aller plus haut. Ah. Ok. Continuons. Surtout que les deux n'ont rien à voir, là. Coiffeton et Quanton. Quanton, ça va être un signe, alors que l'autre, ça va être un capitaine. Ça va être un capitaine de bateau, ça va être un genre de Christophe Colomb, le truc. Enfin, donc, vraiment, les deux n'ont rien à voir. Hein. Les évolutions finales n'auront rien à voir. Hein. C'est juste, bah, alors dans ce cas, hein, Roucarnage et Touraptor et tous à chaque fois, là, c'est des plagiats aussi, tu vois. Non, c'est genre dans chaque version, t'as des. Je vois. Hop. Alors, on est bon. Il y en a 15 ou 13 ou 14, je sais plus. Alors, tac. Merde. Tous les piafs de début de partie, oui, bien sûr. Et Kenotor et... Enfin, pas Kenotor, l'évolution de Kenotor et Ratatak et enfin, des trucs comme ça, il y en a des milliers. Ok. Thank you.
comment ensuite je... Comment je vais là-haut, là ? Choc et charpentier, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut que je redescende tout couper? Est-ce que je suis allé trop vite? Qu'est-ce qui me manque là? Est-ce que si je redescends d'un cran? Parce que moi je veux bien le désactiver, hein. Mais en le désactivant, du coup, je sais plus. Je sais plus comment on fait. Je sais plus. Je sais plus tout comment on fait. Parce que là, je peux aller plus haut, mais pas vraiment, en fait. J'ai foiré un truc là. Merde. Qu'est-ce que j'ai foiré là? J'ai foiré un truc tout con là. Là je peux grimper, mais là ça sert à rien que je grimpe pour l'instant. Là il suffirait que j'aille là. Là tu reviens là, d'accord. Mais là, je vais atterrir à l'étage comme avant, en fait. Et ça va rien changer de précis. Ouais, mais l'estrade de la bombe, non, non, vraiment, là, je veux... Moi, je veux le faire classique. Je sais plus, putain, comment on fait. Et là, je me trouve bloqué. Je me trouve bloqué à un endroit, là. Là. Ah! Je l'ai. Ah, je suis con. Ok, bon, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai, j'ai fait de la merde. J'ai fait full merde. Full merde. Pif paf pouf. C'est bon, je vais. Viens là. Ok. Ah non, là au milieu. Et alors attendez, je réactive ça. Merci Tib, j'espère que tu vas bien. Moi je passe un super live, bonne fin de journée à toi. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée à toi également, merci beaucoup. Voilà. Donc alors attendez, my bad. Donc ce qu'il faut faire, c'est bon, je l'ai. J'ai douté à un moment donné, mais en fait c'est good. Donc ce qu'il faut faire, logiquement, venir là, sortir par le bas, voilà, ensuite remonter par ici, prendre la porte de gauche. C'est labyrinthe là quand même. Hein. Tu viens là, tu prends la porte de gauche. De là, voilà, tu remontes là. Merci gaming! Merci Sif pour ta live et vidéo qui me permet d'oublier l'actualité.
qui me permet d'oublier l'actualité. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est gentil. Hop, merci pour ton bah, troisième mois déjà. Eh. Troisième mois du sub. Plaisir, merci beaucoup. Alors, hop. Ça. Ok. Et donc là, je vais ressortir de l'autre côté et on va être bon. Logiquement. Si je me suis pas foiré. Oui, c'est bon. Et donc là, j'ai plus qu'à. Ok. That's good. Ok. Donc je pense que cette partie du temple, ça va le faire en vrai. Les temples de Majora restent les temples les plus labyrinthes des Zelda. C'est pas les plus simples les temples de Majora, je suis d'accord. Putain, j'ai pas la clé. Attends, déconne pas, j'ai pas la clé. Oh là là, mais j'avais oublié que c'était si dur. Parce que là, j'ai pas la clé non plus. Attends. Si je dis pas de conneries. Ce qui me semblait. Je me disais bien qu'il y avait un truc. C'est une fée ou pas? C'est quoi? Ça c'est une fée ou une petite clé? Dis-moi que c'est une petite clé. Dis-moi que c'est une petite clé s'il te plaît. Mais je pense que c'est une fée malheureusement. C'est une fée. Putain, il me manque. Oh là là. Ah, je l'explore comme de la merde ce temple. Ouf, je l'explore giga mal ce temple aujourd'hui. Ah mais non. Non non non, je l'explore pas giga mal. Non 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 non, je suis bon en fait. Non 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 non. Non, 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 on est bon, en fait. J'ai dit full merde, on est bon. Hop. Hop, voilà. Et voilà. Ok. Parce que là, après, attends, je vais vérifier un truc. Ah. Il y a effectivement un coffre que j'ai pas pris. Étage du tout. C'est peut-être la clé. Alors j'ai peut-être loupé la clé. C'est bizarre, en plus ce serait là. Que ici j'ai tout vu déjà. Elle serait là? Elle serait là la clé? Pas du tout, opposé. Oh, dans la salle du début, dans la première salle? Ah, mais bien sûr! Oui, mais oui, oui, oui. En plus, plusieurs fois, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a un truc là, mais en fait, j'ai pas besoin de le péter ce truc-ci parce qu'il y a un coffre là. Mais oui, il y a un coffre, voilà. Je vais aller trop vite encore. Hop. Voilà. Dis-moi que là t'as de la magie. Non. Hop.
Ok. Et donc c'est... Voilà, c'est bon. Filez-moi la clé. Filez-moi la clé, on sera good. Après, je peux remonter du coup, ouvrir ce qu'on a vu et aller au boss, globalement. J'ai mal fait mon truc. Fail. Gros fail. Les théories dark du jeu, tu penses que Nintendo y a vraiment pensé? Ou c'est notre imagination qui va loin? Genre Ben Ronhead et tout? Je sais pas, non, je pense que... Je pense très souvent c'est des imaginations de fans. Hein. Très souvent c'est ça. Hein. La théorie du deuil. Ah non, ça pour le coup, non, ça je trouve ça très intéressant et ça je pense que non, c'est fait exprès. Ça, je pense pour le coup que c'est fait exprès, ouais. Alors, on est good. On a tout ce qu'il nous faut. Hop. Aïe. Hop. Ok. Pasta. Oui. Mais très souvent ça se base sur des trucs intéressants. Ok, donc là on peut. Voilà. Ok. Pardon. Et donc là. Ah bah voilà. En plus. Magnifique. Hop. Voilà, tout est bien qui finit bien. Hop, on va aller ouvrir ça en passant. Et du coup, on peut aller là. Et il nous manque combien de fées? Il manque 3. 3 fées qui vont être sur notre passage, je suppose. Oui, déjà, il y en a là. Je me rappelle. Je sais pas s'il faut pas tous les buter, je sais plus. Dans le trailer 9G, j'ai un feeling à me dire que c'est la version Jap de Belladonis. Oula. Alors attendez, Belladonis. Oula, attendez, vous allez un peu vite pour moi là. Belladonis. Qui est Belladonis déjà? Je sais jamais. Chaque fois, vous me. Perdu sur Belladonis. Ok. Ok, vas-y. Ça va nous en faire 13. Il n'y en a pas d'autres dans cette salle, ok. Qu'il fallait tout le temps changer. Le détective foireux, vu dans Pokémon Platine qui se cache derrière les lampadaires. Félicité. Trop précis encore une fois pour moi. Mais oui, ça me dit quelque chose, vite fait, le détective. Mais après,
Vous allez trop dans le dans le précis. Genre le mec derrière le lampadaire a félicité, je vous avoue, ça me dit rien du tout ça. Je vous avouerai. Oula! Digestion. Alors. Ah, 14e fait. Et la 15e, elle est là. Et voilà. Toutes les fées, let's go. Direction le boss. Ok, on est good. Et donc là. Là, faut que je descende. Je me rappelle même plus, c'était elle. Ok. C'est un vrai labyrinthe, hein. J'en ai marre. Majora est sorti combien de temps après Ocarina? 2 ans? 1 an et demi, 2 ans après? À peu près. À peu près. Vas-y, mets ça. Hop. Alors, let's go. Oh merde, lui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a lui. J'avais oublié, il y a lui. J'avais oublié. Combien de fois Breath of the Wild? 2 fois. Mais on se tâtait là, peut-être se faire un espèce de petit marathon pour se le refaire, donc on verra. Je vais manquer de flèche. Je vais manquer de flèche. Ok, c'est good. Voilà. Allez, donne-moi la clé du boss, qu'on en parle plus. Non, pas par là. De l'autre côté. Du-du-du. On est good, mesdames, messieurs. Voilà. Alors, ouvrir. State of play 9 mars 2022, 23h. C'est confirmé? Alors pourquoi tout à l'heure vous disiez ils ont annoncé vouloir repousser ça avec la crise et je vous ai dit bah ça n'a pas de sens. Donc c'est sûr, c'est confirmé? Bon bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux dans ce cas. Ah
On verra ce qu'ils feront. On est good. Let's go le boss. Let's go. Here we go. Allez, vas-y. Viens ici. State of Play, c'est la conf de Sony, ouais. Bien évidemment, combat le plus stylé, hein, celui-là. Combat le plus stylé. Combat le plus stylé, c'est parti! Rock. Allez, dans les pattes. Au sol. Merde. Ah bah non. Merde, il s'est relevé. Pardon. Go. Allez. Ok. On est en train de l'éclataxe là. Je sais pas si je vais le stream State of Play, faut que je vois. Je vous dirai. Donc là comme ça, je sais pas. Et merde, on m'a touché. Ah, vas-y, laisse. Allez, fais-moi décoller. Fais-moi décoller. Ok. On y va. Là, normalement, encore un ou deux coups, il tombe par terre. Putain, il accélère. Wouhou! Esquivez! Bon là il est en électricité dans tous les sens là. Yeah, j'adore quand... Merde, c'est un rocher. Allez go. On va l'avoir. Let's go. Allez, il faut mourir là. Allez! Allez! Merde. J'ai pas réussi à me remettre sur lui. Hop. On y va. Go! Oh putain, je fais n'importe quoi. On est quasi au bout, hein. Ah oui, State of Play, je viens de recevoir un mail de Sony. C'est confirmé, State of Play. Putain, il est infâme là-haut, il m'envoie tout dans la gueule. T'es relou.
Il doit être à deux doigts de la mort. Puisque du coup, il se laisse plus approcher. Il se laisse plus du tout approcher, le salaud. Allez. Surtout crever. Rien comprendre. Il me saoule. Mais putain, je suis plus dessus. Je crois que dans l'autre sens ça marche pas. Si, je sais plus. Pour moi dans l'autre sens ça marche pas. Il y a un truc qui se met, qui arrive et qui bloque, je sais plus. Il bloque ça pour te sortir de là, quel enfer. On est à côté là. Regarde, on est vraiment à côté là. Allez. 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 Ah mais j'ai... Est-ce que j'ai moyen de me refaire de la vie? Il me semble que oui, mais je sais même plus où. Je crois là où je suis rentré, du genre. Je sais plus. Merde. Là. Ouais, trop bien. C'est une blague. C'est une blague. Vous avez vu ce qui vient de se passer? J'ai crevé alors qu'il est mort. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Il m'a touché à travers le... Je vais crever, c'est lui ou moi. Globalement. Je vais me prendre une bombe et on va arrêter d'en parler. Allez! T'es mort! Oui! Voilà, ça fait plaisir! Ouh. Ah, le combat est stylé! Le combat est stylé, y'a rien à dire! Oh. Donnez-moi ça! Oh. Plus de bruit! Ok. Ah, c'est plaisir. Bien. Ah, c'est là la musique. Bon, bah voilà, deux temples de fées. On fera le... Enfin... Toi qui as la BD pirate avant, j'allais dire on fera le troisième la prochaine fois, mais. Il y a Epona aussi. Ouais, il y a plein de trucs à faire. On va voir. On va essayer d'aller faire Epona, je pense. C'est rageant un peu. C'était un peu galère. Mais ça va. Vous m'écoutez ou quoi? Et attendez. Ah non, pour l'instant, ça ne t'écoute pas. Pour l'instant, c'est dead, mon gars. Ok. Faut qu'on aille chercher l'épée aussi. Je pense. Plus sûr d'être bien. Oh.
Très bien. Alors,